Cette vidéo est possible grâce au programme IE Creator Network. Merci à eux de m'avoir donné l'occasion de tester VioRanch en avant-première. Merci de noter que les images que vous verrez ne seront peut-être pas 100% les mêmes que le jeu définitif. Hey Kuk, bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va aujourd'hui tester l'élevage des chevaux. Comment ça se passe? Est-ce que c'est rentable surtout? Et voir comment se déroule l'accouplement, la gestation et tout ça, et surtout prendre soin des poulains. Et bien écoutez, c'est maintenant qu'on va le découvrir. Et c'est avec le beau Nayati Sandakwa que nous allons tenter de découvrir ce qui se passe avec les chevaux. Je l'ai installé sur ce très très grand terrain où j'ai construit moi-même rapidement une petite baraque vraiment avec les objets du jeu, avec VioRanch, sauf la gazinière et le frigo, puisque ça n'en fait pas partie. Par contre, regardez-moi ce feu là. Les vibes, les très très grosses vibes des Quête Challenge slash Lord of Neddy slash je suis en kiff. Et j'ai créé ici une espèce de petite étable vraiment pourrie, hein, mais qu'on puisse acheter et installer des chevaux. Donc une femelle, un mâle, et voir ensuite comment ça se passe. C'est bon, il lui reste déjà 2400 simflouz. Et on va acheter des chevals. Ouh, il y a déjà des beautés. Des feux follets, ça me rappelle feu de joie. Lui, c'est un cheval adulte, c'est une jument ici. Oh, il est beau, lui. Hein. Oh là là, Kentucky, un Appaloosa, je l'adore. Il est magnifique, je pense que je vais le prendre. Donc en plus, comme il a un pelage assez particulier, avec des tas tout acheté, ça pourrait être sympa. Écoutez, zoom. Ah non, elle est âgée. Oh, crotte. Crotte. Je vais prendre en tout cas lui, ça c'est clair. Il va y aller, il va aller chercher carrément son cheval, hein. Et on va voir ce qu'il y a comme disponibilité ensuite avec les juments. Et ah, Kentucky est arrivé. On va garder son nom. Oh là là, il est beau. Il est magnifique. Ah, j'adore avec leurs cheveux comme ça, là. Je sais pas, ça s'appelle une crinière. Mais pour le coup, j'ai l'appelé les cheveux, d'accord. On va voir ce qu'il y a d'autre pour les juments. Bon, bah écoutez, on va peut-être prendre Western. C'est une jument adulte. Let's go, hein. Et puis on verra à quelle tête ils feront leur petit bébé. Western, salut, bienvenue. Oh bah c'est mignon tout ça, dis donc. Hein, Nayati, tu vas te faire du pognon avec ses chevaux, hein. Alors, est-ce qu'on peut déjà lui faire faire soin des chevaux? Amical. Plus de choix, encourager à se reproduire. Non, déjà? T'es sérieux? Oh, tac tac, hein, nous on n'a pas le temps d'atteindre. Ils vont le faire? Il faut des bisous. Oh. C'est un peu comme les chats et les chiens, je trouve. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a marché? Western a déjà essayé de se reproduire récemment. Nayati doit attendre avant d'encourager ce comportement. Ok, donc on doit attendre. Oh, c'était mignon, hein. C'était très mignon, cette petite interaction. Et je pense que peut-être que les poulains qu'on va récolter, ils seront de plus en plus chers tant que le cheval aura du potentiel, en fait, et vaudra cher lui-même également. Il a trouvé un nectar de pomme? Sérieux? Ça vaut combien? 1155! Parfaitement vieilli! On va pouvoir acheter un troisième cheval. C'est abusé! C'est abusé! Alors, est-ce qu'elle montre des signes de... Je sais pas trop. On sait pas. Peut-être qu'on aura une notif comme quoi elle est enceinte ou quoi. Encourager à se reproduire. Ah! Ok, d'accord. Donc, il faudrait qu'on réessaye. Ok, c'est pas grave, on va essayer. En ce temps-là, ça cavale, ça cavale. Niveau 2 de l'équitation. Allez, du coup, je vais lui demander... Encourager à se reproduire avec Western. Voilà. Et pendant ce temps-là, on va essayer de... De racheter une jument. Oh bah écoutez, nous on est là aussi pour se faire du pognon. C'est qu'on investit, mais on veut voir un retour sur l'investissement. On a pas trop le choix, puis il y a pas mal de chevaux âgés aussi. Donc soit des poulains des âgés, soit c'est des mâles. Donc clairement, feu follet, c'est la seule qui... Ouais. Ouais bah écoutez, on va prendre feu follet. Hein. Tu vas partir, tu vas ken ta copine ou pas? Ah oui, elle arrive. Elle dit, ah, oh, on m'a appelé. C'est maintenant la séance de sesque. Ok, je suis là, je suis prête. Oui! Il va avoir un bébé? Vous croyez que ça a marché? Il y a eu des cœurs et tout? Oh, il se kiffe. Ah,
J'ai eu peur, mais oui, feu follet, ça y est. On a une troisième. Oh, tu es belle. T'es belle, feu follette. Je pense qu'on va avoir des bébés, hein. Oh, ça se fait déjà des bisous. Regarde, t'as vu, t'as une nouvelle meuf. Oh, elles ont fait des mamours aussi. Trop bien. Eh, trois chevaux pour un seul homme, c'est beaucoup quand même, non? Ah, ça pisse. Oh là là. On a oublié de mettre un test de grossesse pour voir si, au cas où. Il dit, hey, tu me plais bien, toi. Tu dirais de venir boire un verre avec moi ce soir. Attends, un poulain. Western est enceinte. Oh, ça a marché. Oui, félicitations, Western attend un poulain. De nouveaux petits sabots vont bientôt caracoler à proximité. Oh, yeah, ça a marché, baby. T'es un tueur, mon petit Kentucky. Un tueur. Allez, avec elle, en attendant, tu vas faire un petit peu de course d'obstacle. Allez. Puis on va voir si en montant les skills d'elle en attendant et de, du père, le poulain sera plus cher ou pas, tu vois. Allez. Eh, tu vas y arriver. Oh, je m'en doutais, c'est pas grave. Tu vas y arriver, vas-y. Bravo. Ah, il y a quelqu'un qui nous rend visite. Ouais, dire bonjour. Oh, présentation de Kousim. Allez, go. Ok, la meuf, elle s'est carrément installée, en fait. Non, mais t'es comme ça, toi. Tu pisses comme ça, tranquille. Et après, tu vas manger l'herbe. T'es un peu dégueu, quand même. Hein. Bon, est-ce que les chevals vont finir par les dormir? Elle vaut 1100 dollars déjà, donc aussi on a déjà gagné un peu de thunes avec elle. Toi, 1000 tout court. Kentucky, 1100. Ok. C'est le matin, les chevaux dorment. Ici ça pue. Là, elle a pissé. Là, il y a du caca. Vous voulez s'ennuyer un peu? Pensez à placer un ballon. Oui. Va falloir qu'on achète un ballon. Voilà, j'ai acheté un ballon, feu follet. Si tu veux t'amuser, c'est bien, c'est pour toi. Des mamours, les meufs, mais je sais pas si. On voit pas qu'elle est enceinte, hein. Y a pas a priori, on voit pas. Ouais, on peut pas les monter quand elles sont enceintes, en tout cas, les chevalzettes. À moins que le ventre il est un peu plus bas que elle. C'est peut-être ça la différence, j'ai pas fait attention, vrai. Mais c'est sûrement un truc comme ça, hein. Oh! Oh! Des bisous! Trop bien! T'es pas jalouse, Western? Si, elle va lui faire la misère. Oh non, il fait caca, mais c'est. Eh, mais on va se faire des... On va y devenir riche avec le caca. Je vous le dis, moi. Le caca, c'est l'avenir. Oh, le travail a commencé. C'est pas vrai. Déjà? Mais c'est hyper rapide. C'est quoi? C'est une journée et demie de gestation. Western, tu vas nous faire un bébé? Comment on fait? Apaiser la jument qui met bas. Allez. Ouais, bon, pour l'instant, elle pisse. Hein. C'est la perte des os. C'est normal, voyons. Allez, cours, Nayati, cours. Elle a besoin de toi. Tout va bien se passer, ma biche. De toute façon, il n'y a pas de veto. Donc, clairement, t'es obligé que ça se passe bien, quoi. Tu l'as tellement bien apaisée qu'elle a préféré se barrer, quoi. Oh, ça y est. Ça y est. Un petit bébou qui arrive. Oh, introverti. Bon, ça, on s'en fout, à la limite, mais... Allez, bébou. C'est un petit poulain. Poulaine, non, du coup. Pomme de terre, tala, dégâts, trèfle, copain, zoom, smarty, ouais, c'est bien. Je me souviens plus du nom de famille du mec. C'est grave, on va mettre un point, voilà. Waouh, les paillettes! Il est où? Oh! Oh, il est là! Oh, il est comme son papa! Oh, qu'il est mignon, qu'il est beau. Il est hébété, bah oui, et puis c'est un mâle en plus, c'est cool, c'est parce qu'on va pouvoir le revendre. Oh, coucou mon fils. Trop mignon. Oh, il fait des petites léchouilles et tout. Oh, c'est trop youyou, regardez-moi ça, c'est trop mignon. Oh non, je meurs, c'est trop beau. Je sais pas s'il lui faut une paillasse ou pas, lui. Médiocre, ton divertissement. Mais regarde, chaton. Attends, qu'est-ce que t'as? Énergie basse, regarde, tu peux jouer. Tu peux jouer, Kentucky. Attends, t'as deux femelles rien que pour toi et tu râles que t'es pas assez diverti, quand même. Oh, du coup, l'accouchement, voilà, il apparaît à la maison, quoi, mais... Il est trop mignon. Il est trop chaud. Eh, mon gars, il y a des caca partout, hein. Avec leurs grandes pattes, là. J'allais dire, il marche bien, mais non, ça va, il se casse déjà la gueule. Il est trop mignon. Va voir papa, regarde, papa il est là-bas.
Ainsi, c'est toi, mon fils. C'est vrai. Tu as le même pelage que moi, je te reconnais. Tu seras un homme, mon fils. C'est quand même assez rapide, hein, qu'on se retrouve déjà... Ah ! Il boit ! Allez, oh, oh là, au pied de ma main, c'est trop beau. Mais on a déjà 4 chevals, quoi. Et on a 520 simflood. Oh, le bébou, il dort dehors, en fait. Faut vraiment que je lui mette une litière aussi, en fait. Ouais. Oh, on a les poils à changer, parce que ça pue le cheval, le crotin. Oh, il est triste, bébou, il est tendu. Qu'est-ce qu'il a, bichette? Fait des mamours à maman, c'est trop mignon. Et du coup, tu peux le nourrir au bibi, mais je pense qu'il a pas faim, mais tu peux le nourrir quand même, en vrai. Il reste hébété, hein, pauvre chaton. Oh! C'est mignon. La tête que tu fais, Nayati. Mais Nayati, il en peut plus, il veut se divertir. C'est pas grave. Ok. Et tendu, ce qu'il n'a pas de jouet. Mais si, t'as du jouet, regardez, un gros ballon. Je suis sûre que là, je peux m'acheter un autre cheval avec tous les cacas qu'il y a. Ça finance les chevaux, hein, et puis ça les rembourse, c'est bien. C'est... Ah, il est bêté parce qu'il vient de naître. Ah oui, d'accord. Que sont toutes ces couleurs, tous ces bruits et ces quatre pattes fâches gelantes? Avec le temps, il trouvera son équilibre. Oh, bichon. Je vais voir combien il vaut, surtout. Eh, il vaut déjà 1100 simflouz, hein. Il est doux, courageux, amical et joueur. Oh, il est magnifique. Bon, où en est-on avec notre cargaison de caca? Alors, on a 2 médiocres. Bon, bah, on va les vendre, les médiocres, hein, ça sert à rien. On a 5 exceptionnels, 100 simflouz. Et 12 normaux, 180. Ah oui, bon, ça rapporte pas tant que ça. Je suis un peu déçue. On va réitérer un petit peu, encourager à se reproduire avec feu follet, parce que ça n'a pas marché. La gestation est très très courte en vrai, donc c'est juste pour voir la tête du bébé. Voir si ça change et tout, si on peut avoir des mix et tout ça. Je pense que c'est possible, mais je ne peux pas pouvoir le faire tout le temps, quoi, là. Je ne vais pas en faire 40 000. Mais en vrai, bon, le début sont difficiles, mais je pense qu'on peut vite gagner des sous quand même. Oh, c'est l'amour. C'est l'amour des chevaux. Oh, trop bien. Oui. Elle attend un poulain feu follet. Merveilleux. Effectivement, oui, le ventre est du coup plus bas. Oh, il s'amuse. Il est trop chaud. Il est trop mignon. Oh, oui, oui, oui. Voilà. Oh, bichette. Et on descend de la montagne à cheval. Il descend de la montagne à cheval. Il n'est pas très à l'aise, mais c'est pas bien grave. Il descend de la montagne à cheval. Feu follet, elle fout maintenant 1250 simflouz, Kentucky. 1550. Ah ouais, il a bien appris en vrai déjà. Western, tu vaux combien? 1200. Feu follet vaut plus cher. Et toi, 1100, ok. C'est pas mal, hein. Parce qu'on pourrait très bien dire, ben... Lui, après, je le revends, le cheval, à Kentucky, et puis avec ça, je rachète un autre, ou des poulains, histoire de faire, voilà, boire plus d'argent, parce qu'on peut les dresser directement assez rapidement, quoi. Le travail a commencé pour Feu Follet. Étant un cheval courageux, Kentucky a réussi à réconforter Smarty pour que ce dernier ne soit plus effrayé. Oh, tu es trop mignon, Kentucky, tu es parfait. Réconforte-la un peu. Dis-lui que tout va bien se passer. En vrai, on peut vraiment faire une sacrée usine à cheval, quoi. Et tous les bébés ont les blancs. Ah, le gros caca. Miam. Le caca d'avant accouchement. On le connaît, hein. Ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, bichette. Tu as ton nouveau petit bébé qui va venir. Oh. Est-ce qu'il te ressemblera à son papa? On sait pas. Et c'est un poulain qui est né. Alors, Touk, sans limite, caramel. Voilà, on sait pas quelle tête il va avoir, caramel, mais c'est pas grave. Hop, elle a perdu son ventre. Oh, il est là, caramel. Oh. Trait de caractère héréditaire. Félicitations pour la naissance de votre nouveau poulain, caramel, obtenu le trait de... robuste. C'est un mâle aussi. Les pépettes, messieurs, dames, les pépettas. Oh, il est beau, il ressemble à sa maman. Pepsi.
Regardez, ils sont des mamours et tout. Oh là là, on a 5 chevaux, quoi, les gars. Oh là là, le bidou bidou. Oh, c'est trop mignon. T'as vu ton fils? Ton deuxième fils, Kentucky. Incroyable, hein. Spino? Yeah, fruit. Il est beau. Je suis contente. Ils sont beaux, mes enfants. Donc, si on regarde, il vaut 1000, celui-là. Agressif, courageux, doux et robuste. Ok. En tout cas, voilà une vie bien remplie pour Nayati, avec ses 5 chevaux. Et en plus, là, bah, si on vend les petits, on gagne 2000 simflouz. Et on peut remettre enceinte une femelle sur deux à chaque fois. Enfin, clairement... Étant une femelle courageuse, ce follet a réussi à compenser Smarty pour que ça ne soit plus effrayé. Mais c'est génial. C'est trop bien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si cette petite expérience vous a plu. J'ai hâte que vous fassiez vous-même vos bébés. Et bah, ça peut être vachement sympa comme histoire. C'est vraiment genre de père en fils. On élève les chevaux, on les éduque, et puis une fois que c'est des champions, voilà. Enfin, ça, c'est vraiment une histoire à part entière. En tout cas, il y a de quoi faire et de s'occuper avec les chevaux. Et le mot de la fin, ce sera bonbon, voilà, parce que Smarty, bonbon, voilà. C'est à vous de le caser dans votre commentaire. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.